Salut mes petits loups, bienvenue sur ma chaîne. J'ai modifié à cette heure, bienvenue sur ma chaîne Dark Wolf QC. Je voulais, j'en avais parlé hier, ben, ma vidéo que j'ai faite hier, j'avais parlé comme de quoi que je voulais faire des expéditions. Mais que vu que je jouais avec ma blonde, ben tu sais, je pouvais pas en faire vu qu'elle avait pas le niveau. Fait que avant que je commence de jouer avec ma blonde, avec, comme vous pouvez le constater, mon pyromage, on va aller jouer avec mon technomage. Quand que je vous parlais des les DPS pis tout ça, tout le tralala dans le fond, je vais tout expliquer ça. Puis pour ceux-là qui connaissent pas, c'est quoi les expéditions? Ben écoutez, j'essaierai le plus possible d'expliquer c'est quoi. Écoutez, je vais expliquer dans moi de ce que moi je connais. Je vais expliquer ça comme ça. Puis si vous voyez que ça marche puis que vous comprenez, tant mieux. Si vous comprenez pas, désolé, au pire allez voir d'autres vidéos. Je sais qu'il y a pas mal de youtubeurs qui font pas mal de vidéos sur les expéditions. J'ai pas mal été me renseigner pour le formage des ressources des expéditions qui s'appellent les capsules. Comment en avoir facilement aussi, je pourrais essayer de vous en parler, ça me dérange pas trop. Bah d'ailleurs, ça me dérange pas trop. Plutôt, ça me dérange pas! Donc, en premier lieu, pour ceux-là qui ont pas fini le jeu, quitter la vidéo, ça s'adresse aux personnes qui sont rendues en endgame. C'est-à-dire qui ont déjà fini le jeu, qui sont rendues à la même place que moi, en expédition. Parce que ça vous concerne pas, à moins que vous voulez rester pour savoir le futur. Ça me dérange pas. Concernant aussi les ressources aussi, puis concernant Thiago, il m'a tout expliqué ça. Les capsules, les ressources qu'on a dans les expéditions, c'est les... Moi je les appelle les petits trucs jaunes. C'est ça, des ressources de capsules, ben c'est ça. C'est ça qu'on drop dans chaque expédition. Chaque expédition, c'est différent. On s'en va dans localiser des expéditions. Sachez qu'il y a... Ah, c'est ça, j'ai ça. La stine marche, j'ai choumé. À chaque fois que j'en niffe, on dirait que je suis en train de signifier de la coke. chaque expédition, c'est différent, ok? La seule chose que je peux vous dire, c'est faites pas site du météore parce que ça bug énormément. Puis dernièrement, j'ai su sur le site de Square Enix qui travaillait sur leur le bug de cette expédition-là. Fait que je vous conseille pas trop de la faire. Comme vous pouvez constater, je suis bugué à niveau 11. Parce que c'est tellement, mais tellement dur. Fait qu'à cette heure, ben, je fais juste du formage. Parce que je me suis fait dire que oui, c'est ben fun de monter ton niveau 1 à niveau 15. Mais quand qu'on voit qu'on rush, quand je dis qu'on rush, mais qu'on rush trop, comme je me suis fait expliquer, on farm, c'est-à-dire looter les trucs jaunes que je vous ai montré. Un exemple, on en loot, je vais dire 12 000 à 13 000. Ok? On loot 12 à 13 000 de capsules, ok? Je vous conseille d'aller voir Thiago. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est un double tranchant, ok? Je vais vous le dire. C'est un double tranchant. Je vais vous montrer ça. Lui, il vend du stock quand même assez pas pire. Pour certains qui vont trouver ça pas pire, tant mieux. C'est quand même assez pas pire le stock qu'il vend. Comme moi, c'est en... C'est juste bloqué parce que moi, j'ai pas le... Voyons. Les ressources nécessaires pour avoir toutes. Il vend 4 pièces d'armure, 4 armes. Qui sont de plus haut niveau que nous autres. Comme vous pouvez constater, niveau 46, mais on s'entend que c'est du, comme qu'on dit, du Chris de beau stock avec des bonnes armes, avec quand même des bons stats. Surtout remport.
Vous allez dans R, vous cliquez sur R1, puis vous allez voir ces deux ressources-là, ok? Vous allez sur vos capsules, puis si vous en avez 12 à 13 000, vous les vendez toutes. Vous les vendez toutes. Parce que dans le fond, ça vaut extrêmement cher, comme vous pouvez constater. J'étais à 389. Puis ça en vaut en ferraille 30 390. 12-13 000, si je me trompe pas, on tombe à 999 000 ou 990 000. Dans ces alentours-là, ben vous les achetez au complet, ok? Ben tu sais, vous cliquez sur X, vous mettez pauvre. Vous les vendez. Vous allez voir Bailey que Aster a vendu du titane avant tout ce jeu, tout le tralala, comme que je dis. Vous allez là. Puis vous vous rendez pauvre avec ben, vos ferrailles. Pas plus compliqué que ça. Vous les vendez parce qu'en plus de ça en vaut quand même la peine. Parce que avant ça, quand même assez cher. Mais en même temps, ça vaut son prix. Fait que vous vous rendez pauvre au grand complet. Je vais vous montrer ça. Okay, ben gardez, ok? On va dire que j'en ai beaucoup. Vous les achetez au complet. Bon, c'est fait, c'est réglé. On a fort. Vous en repartez. Vous en retournez voir Thiago. Écoutez, il peut avoir d'autres méthodes, mais moi, c'est cette méthode-là que je me suis fait apprendre, que je veux vous apprendre. Vous allez là, vous retournez dans vendre. Mais ce coup-là, vous allez dans le titane, parce qu'un titane donne deux ressources de capsules. Vous vous rendez pauvre dans vos titanes. Puis 179, c'est 358 ressources de capsules. Vous les vendez. Puis je tombe maintenant à 747 ressources de capsules. Comme quel gars m'a expliqué, c'est un petit boost pour aider les personnes qui rushent un peu dans les expéditions, qui font ça tout seul. Parce que moi, bien évidemment, j'aime pas ça jouer avec du monde que, tu sais, j'ai un peu de misère puis que je suis obligé de tout faire tout seul. J'aime pas ça. J'aime autant mieux jouer tout seul dans ce temps-là. Fait que je mets pas trop le niveau trop haut non plus. Malgré que plus que les niveaux sont hauts, plus que le taux de gagner des ressources de capsules monte. Fait que plus que c'est bas, moins que t'en gagnes, mais au moins t'en farm, au moins t'en loot pareil. Mais si on a racine, admettons, on se préoccupe pas des ressources de capsules, puis que tu sais, on y va à fond, puis on s'y met à fond. Sérieusement, moi, en l'espace de combien d'heures que j'avais fait mon build la dernière fois que je n'avais looté 6 000 kek. J'avais farmé en esti, je sais, mais combien d'heures, mettons. Farmer les ressources de capsules au niveau 6-7 que j'avais fait, je pense que j'avais fait ça pendant 2-3 heures. Environ 2-3 heures, puis je m'étais quand même fait en tout et en tout. Si on y va comme ça, je dirais peut-être 8-9, peut-être 1000 kegs de ressources. Écoutez, c'est long, mais maudit que ça se fait bien. Parce que rendu là, ok, écoutez, faut juste en farmer 12 à 13 000. On s'entend pour, t'sais, pour certaines personnes, ça va dire, ils vont sûrement dire, Chris, Étienne, c'est gros pareil, là. Ça peut être énorme, oui, parce que moi aussi au début j'ai trouvé ça énorme, mais quand tu y penses pas, puis que tu y vas à fond, que tu sais, comme les ressources là, le fer, puis le cuir, sérieusement, je me l'accumule, oui. Mais après un certain temps, quand je vois que j'en ai beaucoup, je m'en garde 10 000 de chaque. Ça me fait plus d'argent. Fait que dans ce temps-là, ben, j'ai plus de ferraille. Ça me donne comme un, ça, comme un genre de petit boost, dans le fond. Fait que c'est pour ça aussi que, tu sais, c'est juste des petits conseils comme ça que je vous donne, tu sais, comme que je dis, tu sais, vous êtes pas obligé de les suivre si vous voulez pas, mais tu sais, si vous voulez les suivre, puis que vous trouvez ça quand même assez pas pire, ben gardez, fine les gars, faites ça, puis écoutez, ça va bien aller. Pour farmer les, hey, j'ai de la misère à soir, les expéditions, j'ai de la misère en calvaire. Écoutez,
On va faire ça. Ben, regardez, préparez, regardez, ça nous dit comment qu'on en drop. Hein? Même pas. À cause que lui nous dit que. On en doit deux, hein? Ah, ouais. On va aller sur quelque chose que j'ai jamais. On va aller sur quelque chose que j'ai déjà fait, finalement. Peut-être Boomville. On va aller sur Boomville. Il y a quand même beaucoup d'ennemis blindés, puis je vais vous montrer en même temps quand que je vous parlais d'avant hier, de hier mon build. Ben, en même temps, vous allez voir comment ça marche aussi pour vous autres, puis en même temps, ben ça va vous permettre aussi de savoir comment ça marche, puis tout ça. Sachez aussi qu'il y a des niveaux, ben, il y a pas des niveaux, mais il y a aussi du temps. Écoutez, moi personnellement, je me préoccupe tellement pas du temps quand que je farme les ressources. J'essaye quand même de me dépêcher un peu, mais j'y vais pas à fond là. C'est sûr que si je serais avec d'autres personnes, j'irais à fond là. Mais comme que je dis pour l'instant, tu sais, vous y allez, tu sais, comme le goal, c'est 6 minutes 30 qu'il faut faire. Comme que je dis. Quand vous êtes seul, essayez d'y aller mollo, là. Puis, tu sais, pensez aussi à vous autres, puis essayez de pas trop non plus mourir, parce que quand on meurt, ben, ça fait un échec, puis on a trois essais pour faire une expédition, on a trois essais. Et aussi, on ne drop pas de matériaux, mettons, rares, légendaires, épiques, ces affaires-là, on n'en drop pas. Au début, quand on tue des ennemis, puis qu'on a une ressource qui tombe, ou une pièce d'armure, ou d'armes, c'est pas en tuant des ennemis. On drop ça à la fin, dans une capsule. Une fois que toute l'expédition est finie, c'est là qu'on drop nos ressources, puis tout le kit de l'expédition. Donc, comme je vous l'ai expliqué, vous connaissez mon build, vous savez comment ça marche, le gameplay de ce bonhomme-là. Donc, je vais montrer aussi à quoi ça ressemble. Si je parle pas beaucoup, je suis désolé. C'est parce que des fois, je suis tellement concentré que ben, je parle juste pas. Fait que si vous voyez que je parle pas, désolé, c'est à cause que je deviens concentré. Là, ça bug énormément. J'ai juste peur que ça lag et que ça fasse crasher mon réseau. Comme que je vous expliquais hier, mes dégâts continuent de mon altération poison avec Bad Mousy, avec dégâts en chaîne ultime, tout est activé. Avec en plus de ça, altération vulnérabilité. C'est juste du aïe. C'est juste du aïe. Mais j'aime pas Boomville, fait que. C'est ça qui est push. Ah non, je me fais littéralement décoller ça à la face. Ouf! Aïe. Monte ton petit bateau. Ceux qui ont des conseils aussi de gameplay pour moi sur Outrider, qui aiment ça me regarder, puis qui ont des commentaires à essayer de faire, constructifs, n'importe quoi, améliorer mon gameplay, des choses comme ça, hey, gênez-vous pas, hein. Comme on dit, comme j'ai dit aussi sur ma chaîne, regardez, on est une meute, puis on s'entraide, on est unis. Un peu comme une meute de loup. Il n'y a pas de bon gamer ou de mauvais joueur ou n'importe quoi. Tout le monde est bon. Si vous avez plus de misère, c'est juste parce que vous avez juste de la misère. C'est pas parce que vous êtes pas bon. Dans ce temps-là, ben comme que je fais quand j'ai de la misère, ben on va me chercher du bon. Puis écoutez. Je pourrais essayer de faire ça à un moment donné. Si je veux que la chaîne pogne, ben je vais vous faire un cadeau. Je peux faire ça. On va essayer de faire ça. Ça va peut-être aussi me faire gagner un peu plus d'abonnés. Écoutez, ça peut marcher quand ça peut pas marcher, c'est pas grave, mais je vais essayer ça.
si je vois que ça pogne pas mal des vidéos d'un autre rider, puis que vous aimez mes conseils, que vous aimez mon gameplay, toutes ces affaires-là, puis que vous êtes en expédition, puis que... Écoutez, vous voyez que ça marche pas avec les autres personnes. Vous voyez que vous dites, Chris, ça marche pas. Ben écoutez, pour les personnes qui voudraient absolument avoir pas n'importe qui dans leur escouade, ben écoutez, je vais faire une vidéo, genre je ferai une autre vidéo, puis l'autre vidéo, ben je regarderai mes commentaires, puis je regarderai qui veut vraiment absolument jouer avec moi, puis la personne la plus chanceuse, je ferai un tirage au sort, puis la personne la plus chanceuse, comme que je dis, c'est un tirage au sort, le hasard qui gagne, le hasard qui décide, puis si c'est vous, ben regardez, on passe une soirée, puis on game à Outrider, je ferai des petites affaires de même, écoutez, je suis prêt à tout faire pour ma petite communauté, pour que justement, comme que je dis, ben que ma tanière, que notre tanière devienne une bonne grosse tanière, puis qu'on aille une bonne meute, puis qu'on soit beaucoup. Écoutez, ça peut en intéresser, puis si vous êtes intéressé à ça, ben regardez, marquez dans le commentaire de cette vidéo comme de quoi que vous êtes intéressé, marquez juste n'importe quoi, marquez GG ou ben mettons, comment est-ce que je pourrais dire ça, t'as-tu une idée, ben les gars, marquez intéressé. Je vais savoir c'est quoi tout de suite, je vais faire le mien. Puis je ferai un tirage au sort, puis la personne la plus chanceuse, ben je vais faire ça à chaque fin de semaine. Je ferai ça à chaque fin de semaine quand je vais voir que vendredi arrive, ben je fais un tirage, puis ceux-là qui veulent jouer toute la fin de semaine avec moi, ben vous êtes les bienvenus, puis on fera ça à chaque fin de semaine. Je suis prêt à faire ça, ça me dérange pas en tout, comme je dis, j'ai tout le temps à part, ça me dérange pas. Vous voulez des conseils sur le pyromage aussi, les gens, ça s'en vient dans pas longtemps. Je suis en train justement de monter un pyromage tempête de feu que je vais aussi montrer en build. J'ai eu quelqu'un qui m'a trouvé en Messenger. D'ailleurs, je te salue. Alors, ce qui s'en vient pour le pyromage, ça s'en vient. Je dis pas prochainement, mais je vais dire peut-être dans les prochaines semaines ou les prochains jours. Ça me dérangera pas de faire une vidéo pour ça. Ça me dérangera pas. Fait que Technomage, comme que je dis, quand que je lance ma tourelle, vous voyez que je la fais quand même régulièrement. Ben vous voyez, ça me donne un boost de dégâts. Et voilà. Quand que je vous disais aussi que mon build était aussi pour le vol de vie. Ben, vous voyez aussi, à chaque tir que je fais, ma vie se régénère. Même si je suis full, ça me régénère ma life. Tout le temps, c'est tout le temps comme ça, ok? Je vous le dis, c'est tout le temps continu. Puis, je jouais souvent avec ma blonde, puis mon meilleur ami, puis il me disait, tabarnak, puis mon meilleur ami, c'est un telluriste. Puis il me disait, Chris, ça tienne! Je veux te backer, mais... T'es aussi tanky, t'es aussi tank que moi. Fait qu'il dit fuck off. Fait quand que je vous dis que Technomage, comment je l'ai monté, ça peut être utile pour les débutants qui commencent le jeu. Ben si vous voulez le monter comme moi, vous pouvez. Moi écoutez, je suis tout oui, ça me dérange pas. Puis même si vous dites, si vous êtes pas à l'aise, c'est pas grave. Moi aucunement, je suis aucunement offusqué que vous faisiez ça. C'est un tuto justement. Fait que ça me dérange pas. Fait que je récapitule les gens, à chaque fin de semaine, je vais commencer ça la semaine prochaine, à chaque fin de semaine, si je vois que ça pogne pas mal mes vidéos, puis que dans les commentaires, il y en a qui me disent « Hey, ça serait le fun » ou ben « Je suis intéressé à ton petit concours pour pouvoir jouer avec toi, j'aimerais ça ». Écoutez, ça me dérange pas, la seule chose que je vais vous dire, c'est que je suis sur PS4. Ouais, t'as bien compris, je suis sur PS4. Donc, ça peut être un crossplay. Je sais que le crossplay entre console puis PC, ça bug pas mal. Mais si vous êtes sur PC, c'est pas grave, les gens, votre tour va venir, comme que je dis. La patience est une vertu.
Et meilleure chance la prochaine fois, comme que je dis aussi souvent. Donc, si vous êtes sur PC, c'est pas grave. Si vous avez une deuxième console, ben, let's go, fine, je suis prêt. Donc, ça ressemble à ça. Fait qu'à chaque vendredi qui va s'en venir, qui va arriver, ben, le jeudi soir, je fais une vidéo. Puis je dis que vendredi, je lance mon petit concours pour que justement vous puissiez jouer avec moi. Puis. Avoir du fun, puis tu sais, avec ma petite communauté, j'ai mon meilleur ami qui joue de temps en temps aussi avec moi, qui m'aide aussi pour ma chaîne. J'ai aussi ma blonde. Ma blonde, elle, c'est pas que ça ne tente pas d'être diffusée, c'est juste qu'elle est pas trop à l'aise. Là-dessus, je suis totalement oui, tu sais, c'est pas tout le monde qui est à l'aise avec YouTube. Donc, si vous voulez avoir du fun aussi avec nous trois, ben, regardez, c'est vendredi que ça va, que ça se passe, les fins de semaine. Quand on a rien à faire, quand que ça nous tente pas de d'écouter des films, des entraînements, vous voulez gamer, ben, regardez, je suis dispo. On va être disponible en tout temps. C'est la fin de semaine, moi, je suis pas mal disponible. Moi, ça me dérange pas la fin de semaine. Fait qu'on va faire ça, puis c'est moi qui porte ça. J'ai décidé ça genre là. C'est que dans cette vidéo, c'est dans cette vidéo que des commentaires, je veux qu'il y ait des commentaires de je suis intéressé. Puis dès que je vais entendre ça, je vais savoir, je vais faire le lien, c'est quoi. Ça veut dire que vous voulez jouer avec moi. Ben la semaine prochaine, je lance le concours, puis je fais un tirage au sort de vos noms qui apparaissent. Puis ça peut être avec une personne, si y a des modifications pendant le temps, puis que je vois que, mettons, ma blonde n'est pas disponible ou mon meilleur ami, ben je vais inviter une deuxième personne, puis je vais vous mettre au courant, ok? Je vais mettre au courant tout le monde, mais je peux faire ça, ça me dérange pas. Comme que je dis, si ça peut en intéresser du monde, je peux le faire, ça me dérange pas. Comme que j'expliquais, regardez, 90 de ressources de capsules. Puis en plus de ça, ben j'ai un loot, j'ai un bonus de 3 fois que je pouvais dropper soit un légendaire, un épique ou un rare. C'est à ça que ça sert. Dans le fond, le farmage. Puis je fais beaucoup de farmage tout seul. Fait que je crisse ça à 6 ou à 7. Puis tout va bien. Puis comme que je vous expliquais, la voie est libre. Je vais attendre. Ça se rouvre. Des insurgés ont fait défection et nous ont rejoint il y a quelques tout mois. Drop. Vous faites la flèche en bas. Puis en plus de ça, vous gagnez en plus du titane. Et voilà la gang. C'est ça les expéditions, il y en a pas, il y en a plusieurs. C'est pas toutes les mêmes. Fait que ça sert à ça le farmage. C'est vraiment comme ça que ça marche. Le farmage des équipements puis toutes les ressources, des affaires là, c'est comme ça. C'est comme ça que je me suis fait apprendre. Puis je trouve que c'est quand même une des bonnes méthodes pour le farmage. Puis je vous conseille aussi d'accumuler aussi vos équipements puis vos armes qui sont plus bas niveau que vous êtes. Vendez-les auprès de Bailey ou Thiago, peu importe. Puis avec ça, ben vous allez avoir un peu plus de ferraille aussi pour vous aider concernant les capsules. Parce que sérieusement, je me suis renseigné sur Square Enix, puis je leur ai demandé si c'était glitch ou astuce, puis ils nous ont dit, ben moi ils m'ont dit, puis à la communauté d'Outrider Québec, comme de quoi que c'était un boost pour justement ceux-là qui avaient un petit peu plus de misère concernant justement les expéditions. C'est comme un petit boost pour vous aider. Sérieusement, moi je suis je trouve ça énormément smart de leur part, parce que sérieusement ça va super bien. Comme là, j'ai pas fait autant de dégâts. Je m'attendais à quelque chose de genre 10, 12, 13 millions de dégâts infligés, mais 5 millions. C'est pas grave. Comme que je dis, vous vendez tout ça. On sélectionne tout ça. Vous vendez ça. Tiens. C'est fait. Vous avez 12 000 cash.
Donc là, je vais vous montrer ça. Checker. Je vais vous montrer comment ça marche quand je vous dis que je garde ça, mettons, 9 à 10 000 de chaque. Dans le fond, je n'en vends. Je vends tout ça. Ça peut pas être 9 000 sur un chiffre rond, bien évidemment. Tu sais, ça peut être 9 001 ou 9 002, on s'en fout, tant que c'est 9 000. Comme là, c'est pas trop pire, justement, 9 000 pile. Je vends ça, il me reste 10 000. Je fais ça aussi pour tout ça. Je fais tout ça comme ça. Comme ça. Oups, j'ai trop monté, je pense. Ouais, j'ai trop monté. 10 000 piles aussi, tiens. Ça me fait un peu plus de cash. Et voilà. Puis un exemple. Je dis ça comme ça, ok? On va faire un test. Je veux absolument, mettons, vendre mes capsules, ok? J'ai vendu toutes. Je vends tout ça pour 65 000. C'est fait, je tombe à 102 000. Ok. On va voir si ça n'en vaut quand même la peine. J'étais à 800 quelques de ressources, je pense. On va voir si ça n'en vaut la peine. J'ai pas encore essayé. Fait qu'on va aller voir si ça n'en vaut la peine. Je achète pour 314 de Titane. Comme je vous dis, je me mets pour que je sois bien paumé. Je vois là. J'ai vu pas mal de youtubeurs français aussi faire cette technique-là. Puis que je voulais vous la montrer aussi pour ceux qui ne le savaient pas. En même temps, ça va vous permettre de savoir comment ça marche. On va voir si je n'en drop un peu plus. Wow! Je n'en drop moins de ce que j'avais. Je n'en drop moins de ce que j'avais. Et baptême. Bon, au moins j'ai fait la vidéo avant que vous le faisiez. Ouais, là, on a un petit léger problème. Elle avait 800 kek, je pense. Je me rappelle plus trop vite. 7-800 kek. 7-800. En tout cas, si c'est 800, mais il t'en donne 200 de moins. Ok. On a un petit léger problème. Mais je me dis en même temps, j'avais pas beaucoup d'argent. Ok, la personne qui a pas mal, de cash, puis qui a pas mal de titane en plus de tout ça, puis qui a fait ma technique, dites-moi donc dans les commentaires comment que vous avez. Comment que vous en gagnez. Une fois que vous avez de l'argent maximum puis que vous faites ma technique, dites-moi dans les commentaires, je vais vouloir le savoir. Fait que ça se conclut cette petite vidéo là-dessus. Donc je vais faire un petit récapitulatif de ce qui va se passer dans les prochaines semaines qui vont venir, puis dans les semaines qui suivent. J'ai le goût de partir un petit concours. Pour ceux-là que, tu sais, qui veulent vraiment pas jouer avec du monde, qui veulent pas. Sûrement parce qu'ils ont peur de faire tout seul. Ou que. Peu importe la raison. À chaque vendredi. Le soir, dans le fond, le jeudi soir, avant le vendredi, je lance la vidéo, puis je dis que je lance le concours. Ben, le soir même, ce qui est à dire le jeudi. Fait que dites-vous une affaire, le jeudi, je lance le concours. Je lance ma vidéo le matin, jusqu'à dans soirée. Puis dans soirée, je fais le tirage, puis je déclare le gagnant. Mais en même temps, je vais en parler aussi à ma blonde puis à mon meilleur ami. S'ils viennent, j'invite une personne. S'ils viennent pas, puis qu'il y a juste une personne de mon entourage qui game avec nous autres, j'invite une autre personne. S'ils viennent juste pas toutes les deux, je vais inviter deux personnes. Sinon, j'invite juste une personne. Ça va dépendre, comme que je vais dire. De toute façon, vous allez tous savoir ça
au tirage. Fait qu'à chaque vendredi, je lance je vais faire le concours. Vous allez jouer avec moi de vendredi à dimanche. On joue. Puis on va avoir du fun. On va rire. Écoutez, j'en dis des conneries, là. Puis on se fait des expéditions. Si vous voulez farmer, vous farmez. Si vous voulez monter votre niveau au monde aussi, vous montez votre niveau au monde. Mais dites-vous en affaire, vous gamez avec moi. Moi, écoutez, puis tu sais, je me fais mes bills comme que je fais, puis tu sais, je mets toutes mes affaires en conséquence de. Puis après ça, let's go, lance, puis on part ça. Donc, je vais faire ça. Fait que le jeudi, je lance ma vidéo le matin, comme de quoi que je vais faire un petit concours. Ou ben sinon, je peux faire le mercredi. Je vais faire ça. Mercredi, je lance une vidéo. On change les horaires. Mercredi, je lance une vidéo comme de quoi que je vous laisse jusqu'à jeudi soir pour faire le concours. Vous écrivez en commentaire, bien évidemment, sur la vidéo que je vais faire concours. Vous écrivez en commentaire la vidéo que vous voulez que vous voulez être dans mon concours. Je marque votre nom, je mets ça dans ma calotte, on pige au hasard, je brasse, je pige. Puis avec les noms qui vont sortir, ben j'annonce les gagnants. Puis on va s'arranger sur Internet au pire ou bien Messenger, peu importe. On va essayer de s'arranger comme ça. Je vous donne mon PlayStation, mon PlayStation, puis on s'envoie des demandes d'amis, puis après ça, let's go, on joue, puis on a du fun. Fait que ça va ressembler à ça pas mal. Mes vidéos, ça va être pas mal sur du Outrider, pas mal. Puis si vous voulez, tu sais, vous pouvez me dire aussi, ah Étienne, j'aimerais ça que tu fasses un tuto illusionniste. Ben ce que je vais faire dans le fond, c'est que je monte un illusionniste, je le monte à ma manière, à ma façon, ou je m'inspire un peu d'un youtubeur, puis que je mets ça à ma manière, à ma façon aussi en même temps, peu importe. Mais sachez que là présentement, il y a une deuxième vidéo tuto qui va s'en venir, puis ça va être le pyromage, tempête de feu. Et sur ce, je vous souhaite une excellente soirée, tout le monde. Puis on se dit à la prochaine. Ciao les tilous!